Dans une déclaration en date du mardi 26 avril 2022, l'Infodrome a eu copie, le principal porte-parole du RHDP a tenu à congratuler le Premier ministre Patrick Hatchi pour la tête du gouvernement qu'il conserve. Le ministre d'État, Kwasi Kobona Nadjoumania, au nom du Rassemblement des Houpdouétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, fait savoir la joie de voir le Premier ministre Patrick Hatchi conserver son poste. Longtemps annoncé, il a fallu au congrès du mardi 19 avril 2022 pour que le président Alassane Ouattara annonce un nouveau gouvernement. Il faut noter qu'une semaine avant, c'est-à-dire le mardi 13 avril 2022, Patrick Hatchi déposait sa démission, ce qui entraînait automatiquement la dissolution du gouvernement. Le RHDP adresse ses vives félicitations au Premier ministre Patrick Hatchi pour sa reconduction à la tête du gouvernement, une confirmation qui atteste de la bonne appréciation du travail accompli et de ses immenses qualités professionnelles, se réjouissait le ministre d'État Kobona Nadjoumani. Le RHDP l'exhorte à toujours œuvrer avec plus d'engagement et de dévouement dans la foulée, il a encouragé le Premier ministre à garder la même ardeur et cadence au travail. Il a même souhaité qu'il aille loin dans son engagement en ce qui concerne les orientations du président de la République. Le RHDP l'exhorte à toujours œuvrer avec plus d'engagement et de dévouement, conformément aux orientations du président de la République, Sem Alassane Ouattara, pour la matérialisation concrète de son ambitieux programme, la Côte d'Ivoire solidaire, a-t-il conseillé. Encourager le président dans ses bonnes œuvres, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kwasi Kobona Nadjoumani n'a pas manqué de lancer un message à tous les Ivoiriens. Une adresse qui n'a pour objectif que d'inviter les Ivoiriens à marquer leur reconnaissance au chef de l'État. Lire aussi Côte d'Ivoire. Premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, Ouattara fixe ses trois priorités aux ministres pour cause, les œuvres du président de la République parlent d'elles-mêmes. Le RHDP appelle enfin tous les Ivoiriens épris de bonne volonté et tous les amis de la Côte d'Ivoire à soutenir les actions du président Alassane Ouattara qui œuvre inlassablement pour la paix, le développement et le bien-être de toutes les populations vivant sur le territoire national, a-t-il exhorté.